Ouais, c'est bien passé, ça reste un sprint donc fort nerveux. Je pense que c'était le plus nerveux de tous parce que je pensais que ça allait être en une ligne mais personne n'a su vraiment faire un train. Puis au final ouais, une fois t'as pas besoin d'un train, chez Binyam il gagne tout seul. Ouais parce que le train il a un peu manqué, il y a eu cette désorganisation dans l'équipe avec trois coureurs par terre à 10 km pour l'arrivée. C'est pas ça qui fait le mauvais sprint. Comme je le dis, Binyam il faut regarder mais je pense pas qu'il a beaucoup d'équipiers. Ça reste un sprint, il faut être au bon moment, au timing, et le timing était pas super, puis c'est comme ça, hein, on est là pour apprendre. Arnaud, de la chute à un peu plus de 10 km, vous passez tout près, qu'est-ce que vous avez pu voir, qu'est-ce que vous pouvez me raconter par rapport à ça? Moi, je me suis... j'ai failli tomber aussi, je pense que vraiment c'est juste derrière moi que ça tombe. J'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais dès que t'entends un gros brouhaha, tu te dis bien qu'il y a des hommes à terre et j'espère que tout le monde est bien. En plus, j'ai 2-3 équipiers qui sont tombés. J'ai vu Cédric, il est un peu touché, donc c'est quand même pas super. Ça a l'air plus grave pour Drizzer parce qu'il ne se relevait pas et à mon avis, ça va être compliqué de continuer. Ouais, souvent, c'est pas très chouette d'entendre ça, mais ça fait partie du vélo. Mais j'espère que c'est juste des brûlures et rien de plus grave. On remet ça demain, Arnaud ? Ouais, bon, on va essayer de resprinter, hein, si ça... Ou pas, on verra. Merci Arnaud.